Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous avais dit que il y aura un petit live dimanche. Et ben le voilà. Vous avez promis un petit live dimanche, parce que le mardi, du coup, je vous avais dit que samedi, j'étais pas là. Que dimanche non plus, mais que je pourrais essayer de vous faire un petit live. Et c'est le cas. Je savais pas à quelle heure il commence, mais ça sera. Commence maintenant. Je ne sais pas combien de temps il va durer, puisque je pense que il va durer jusqu'à la fin du jeu. Donc, je sais pas pour combien de temps, si on en a pour une heure et demie, 2 heures. En tout cas, voilà. Jusqu'à la fin du jeu, au plus tard, on finit à 19h ce live. Mais si on finit en 1h30 le jeu, on arrêtera le live 1h30. Voilà. C'est juste tranquillou. Donc, on finit sur Coden 2. On va essayer. On va avoir au maximum 3 heures pour le faire. À 18h. À 19h. Même si je pense pas qu'il nous reste tant que ça à faire. Bah écoute, on va y aller. Hein. On va y aller, je sais plus trop où on en était. Cette fin de live, en tout cas, j'espère que vous allez bien dans le chat. Oui, je savais pas trop. J'avais pas trop à quelle heure il allait commencer. S'il allait commencer, peut-être que. Si le live il allait commencer cet après en 13h comme d'hab. Ou dépend à quelle heure je rentrais. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas donné d'heure exacte. C'était ici. Je ne sais plus ce qui s'est passé la dernière fois. Oui, Nanami est morte. Et oui. Super, super. Je pensais que ça allait sauver le deuxième choix, mais a priori non. Donc on n'aura pas Nanami pour le dernier combat. Je vais lever un peu le son du mon casque. Et voilà. Je voulais juste te dire bonjour. D'accord. Parle de moi, dis-moi si tu entends. D'accord. Okay. T'en bats les couilles. Nanami était dead. On avait battu le chevalier là, de Mathilda, là, le chef. Et puis voilà quoi. Je crois qu'il fallait qu'on revienne là, non? C'est ça. L'armée de Highland quittait Muse et bat en retraite sur son propre territoire. Ils ont probablement jugé qu'ils ne pouvaient pas se défendre contre les attaques de Green Hill et de Mal'Cidda en même temps. Une chose est sûre, dès qu'ils auront regroupé leurs forces, ils recommenceront à attaquer. Comme ça, je vous conseille de porter le combat chez eux. Nous attaquons Highland et supprimons la racine de la guerre. Le royaume de Highland et la ville-état de Jestone sont devenus trop gros. Le saint royaume de Harmonia au nord, la république de Torrent au sud, la vaste mer à l'est et Grassland à l'ouest. Pour conserver ce pays, nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre, l'histoire l'a prouvé. La sagesse humaine a ses limites. D'accord. Ah ok non, ok. Allez, c'est parti. Commencer les préparatifs. Ah ok, et... C'est tout, fin du jeu. Ah non. Il passe... Ah d'accord, je veux dire, il s'en bat les couilles, frère. Il passe devant moi là. Ah, je suis un petit peu dans le gaz là. Un petit peu fat. Un petit fatigué là. Pourquoi? Pourquoi il y a la princesse morte là? What the fuck? Prince, écoutez, soldat d'Island, nous avons vaincu la chevalerie. Mais nous n'avons pas encore gagné. Oh, la princesse, elle est allongée par terre là. Il veut la sacrifier, elle est morte. What the fuck? Nous sommes encore plus forts que l'issue de la guerre n'est pas encore fixée. Au nom de la rune bête, l'un des 27 vraies runes reçues du royaume Saint Harmonia est transmis de génération en génération de la famille Blight, prenez serment au roi de Highland.
Qu'est-ce qui se passe là? Ils ont sacrifié la meuf? Au nom du royaume de Highland et de la famille royale Blight, je vous supplie de nous accorder la victoire, ô noble Runebet. Je vous sacrifie le sang de celle qui m'est la plus chère, mon épouse Gila Blight. Oh le fils de chien! Pardon. Le chemin de la victoire est le seul chemin. Nous prions pour la victoire. Le moment est venu de nous battre. Si nous perdons cette fois-ci, nous perdons le royaume de Highland. Sérieusement? Il a vraiment buté comme ça? Nettoyer la poupée pour moi. Ah non, ok, c'était une fosse. Ok, je me suis dit quand même. Comment ça s'est passé? Très bien. Trop bien. Ah, j'ai eu peur. Je me dis, mais il a pas fait la vraie, quoi. Non, c'est bon, c'est bon. Oh, y a un bruit d'eau là, what the fuck. Dites ça va, ne vous faites pas peur comme ça, j'ai cru que Frid allait avoir une attaque. C'est pas vrai, seulement j'ai été surpris que le seigneur Siegfried soit tombé. Nous allons envahir Highland, nous avons besoin de que vous teniez juste un petit peu plus, et cette guerre va être terminée. Donc, beaucoup de préparatifs à faire, alors allez vous reposer un peu. Laissez-moi me reposer là. Allons, allons, ne soyez pas si sombre. Ça ne vous voit pas. Vous êtes beaucoup plus beau quand vous souriez. Oh là là. Même là, alors que je suis au point de mourir, elle me charme, là. Du charme, là. Putain, ma maison s'est encore agrandie, là. Où j'aille, où, là? Je tourne dans mon lit. Ok. Oh, faut que j'aille. Ah. Qu'y a-t-il, Apple? Quand j'ai conçu le plan d'attaque de Muse, vous saviez que ça allait échouer, n'est-ce pas? Oui. J'ai que vous aviez 50% de chances de réussir au mieux en tout cas. Alors pourquoi? Je me suis dit que si vous gagniez, tant mieux. Si vous perdiez, cela allait dissimuler de mes vrais projets. Quoi? Je dis aussi qu'entre vous et Klaus, même si nous perdions, les dommages ne seraient pas trop graves. Oh, super. Je suis parfaitement inutile. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous aider? Oh, juste ferme ta gueule. Hein. T'imagines? Je suis désolé, pardonnez-moi. Apple, oui. Il y a 3 cartes sur la table ici. Prenez une de ces cartes. Que dit-elle? Peu, c'est tout. Je vois. Vous pouvez aller, Apple. C'est bizarre, le gars. Bon, alors, bonne nuit. Pas beau d'écouter aux portes, monsieur. Demain nous battons, nous devrions prendre un peu de repos. Moi je peux prendre une carte aussi. Vas-y, laisse-moi prendre une carte. Ah, les arranger. Où j'aime me recoucher. Ouais. Au dodo là. Alors, réveillez-vous. Vous deux, vous allez certainement bondir ce matin. Quoi? Siegfried, tout le monde est rassemblé dans le grand hall. Battez-vous courageusement. Moi aussi, nous allons leur donner une raclée. Ah. Après, j'ai perdu ma petite sœur. Si ça, après, je dis rien. La 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 la. Ah non, merde, putain, c'est pas... Arrêtez de l'agrandir, sérieux, ce château, là. C'est bon, là. Là. Un étage. Let's go.
Regardons. Ok. Les troupes sont prêtes. Notre but est le renouille. Quoi? La capitale de l'Irlande, putain, elle porte un nom de merde. Hein. Bon. Battez-vous, bande de gueux! Pardon. Avec cette seule bataille, nous pouvons mettre un terme à cette guerre. Enfin, cette terrible... Par mon épée, nous allons gagner, je le jure. Sur mon nom, j'ai dit victoire. Pour l'honneur de la chevalerie, nous allons être victorieux. Pour le peuple, nous devons gagner. C'est juste pour le peuple. J'adore ça. Oh le gars, j'adore me battre. En avant, bande de gueux. Battez-vous pour moi. Pour ma puissance et ma souveraineté. J'ai du mal à dire ce mot. Regardez notre grande armée qui part au combat. Incroyable. Hip-hop en plus. Regardez, on les voit pas. Hop, hip-hop. On les voit pas. Hop, ils apparaissent. Incroyable. Ils ont un pouvoir de téléportation là. Qu'est-ce qui se passe? Message d'une sœur flic. Il a trouvé l'armée de Highland. Le général Léon Silverberg. Berg. Parce que c'est pas Burn, non, c'est Silverberg, mais bon. L'a conduit avec Sid et Cullen. Ils sont sans ici. Conduit une unité à droite et le général au sur une unité à gauche. Restez cachés jusqu'au signal. Et chou, vous allez. Apple, allez avec le seigneur Siegfried. J'irai très bien tout seul. D'accord. Bizarre. D'accord, Victor, exactement comme nous l'avons planifié. Je ramasse toujours les sales boulots. Il n'y a personne d'autre à qui je peux le demander. Oui, oui, je sais. Oh, attends, qu'est-ce qu'il va faire encore? Un dingue, là? Il va sacrifier pour nos péchés? A toujours plus de scènes là. En plus il avance trop lentement là en mode je suis un vieux. Ma dernière mission, oh, il va mourir. Il va se sacrifier pour nos péchés vraiment. Il va faire ça le gars quoi. Il va pas faire ça le mec quoi. On est deux contre 12 000. Est-ce qu'il se sait où ils sont d'autres partis? On a rapport, Siegfried est encerclé sur le flanc droit et Ozer sur le flanc gauche. Chou, à quoi peux-tu bien penser? Nous allons mettre en pièce l'unité de Siegfried et ce sera une fois pour toutes. Non, je connais Chou. Si nous poursuivons Siegfried, Ozer attaquera notre flanc. Et si nous poursuivons Ozer, c'est Siegfried qui nous attaquera. C'est ça son plan. Alors. Nous poursuivons directement l'unité de Chou. Il commande les deux unités. Si nous éliminons, nous divisons leurs forces par deux. Et si Chou n'est qu'un leurre? Il n'est pas suffisant homme pour mettre consciemment sa vie à danger. Mais 6%. Ici. Donc ils vont pas nous attaquer. On va peut-être passer en x2 là parce que... Ça va être un peu long je pense. Faire ça. Hein. Là, si mes 40 ans déplacer ces persos, merci quoi. Non mais voilà quoi. Bien, donnez le signal.
C'est le signac. Ah, merci la trad. Vite, allumez-le. Quoi, mais quel idiot, il est tombé dans une mer. Je suis imbécile, où as-tu la tête? Tu es perdu. Bon sang, c'est pas vrai. Fuyez, mais filez. Donnez le signal au flanc droit et gauche, encerclez-les. The fuck? Mais c'est chou. Il y a combien d'années que je t'ai... Il y a combien d'années que je t'ai filé une raclée? Je ne sais plus, pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Petit chenapan, enfin, tu as oublié la règle numéro 1 du livre. Ne te mets pas en danger. J'ai dû jeter le livre, vous l'aviez lu trop souvent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et parfois, même un geste futile peut avoir de la valeur. C'est ce que mon ami Apple m'a enseigné. Ça ne m'impressionne pas. Écoute-moi, Eddie, l'histoire ne coule pas. Elle bondit et elle frappe. Parfois, il faut qu'elle soit poussée par des hommes comme nous. S'il faut en payer le prix par un peu de souffrance, je paie. Voilà. C'est pour ça que vous avez aidé à détruire l'empire de la Lune Écarlate et que vous aidez Highland maintenant. Ce pays a besoin de la poigne solide du royaume de Highland pour le guider sur la mer de l'histoire. C'est bien de vous. Vous me dégoûtez. Vous aviez du talent, mais vous l'avez mal utilisé. Pour moi, vous n'êtes qu'une ordure. Oh la vache! Contrairement à vous, je ne me prends pas pour un dieu qui utilise les gens pour des pions. Et tout ce blabla, pourquoi? C'est pas possible, chou, non. Apple. Non, ce n'est pas possible, cette carte. Chou, non. Ah, le feu. Ah oui, la carte feu. Apple, attendez, c'est trop tard. Mais chou. Un bon tacticien ne montre jamais des émotions. Oui. Bah, il vend. Chou. Une erreur de calcul, petit touche à tout. Mon rôle était fini et j'étais déjà en paix. Alors non, j'ai risqué ma vie pour vous sauver, vous et les autres. Ah putain, chou, vous voulez sacrifier, mais Victor l'a sauvé. Tiens, si vous prêtez. Ah, partons pour le renouille. Apple fait passer l'ordre au général Hauser. Oui. Apple, vous avez le commandement, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer un peu. Bon, il est pas mort. Faisons une pause ici et nous allons. Il nous suffit d'entrer dans le renouille. Vous n'oubliez rien? Let's go. Regardez-y. Nous allons être opposés à Sid, Kulgan, Hubert et Lucia. Et aussi Al Cunningham qui conduit la deuxième armée de l'armée. Oh, putain, il y a tout le monde quoi. Cunningham, une légende. Que dis-je? Je n'aime pas m'attaquer aux vieux, mais s'il barre notre chemin, il faudra nous en débarrasser. Je crois qu'on va te laisser continuer à infester notre bonne terre de Highland. Mais je vais... Voilà. Il n'y aura pas de match nul ici, la victoire ou la défaite, l'un ou l'autre. Écoutez-moi, ne faites rien qui puisse faire retomber la honte sur le chef de Karaya, Lady Lucia. C'est la dernière bataille, mon roi. La rune du bouclier lumineuse, c'est lui le fils de Genkaku. Seigneur Siegfried, retirez votre unité de la ville. La bataille finale va se dérouler à l'intérieur. Quoi? Plutôt que je mette mon unité dans la ville, quoi. En plus, je suis tout derrière. Alors ça. 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 Pourquoi mes archers sont devant? Ça n'a aucun sens. Ça. 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 Oh mais putain, les archers qui sont tout devant quoi, ça n'a aucun sens.
Voilà. Tac. 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 Let's go. Non, parce que là, je me mets en x2 parce que là, en vrai, les combats, ils sont un peu longs. Enfin, ils sont un peu lents plutôt. Le temps de déplacer toutes tes troupes là. C'est presque ma chance. Et plutôt que je ne m'y attendais. Hubert, monstre! Ce n'est qu'un général mercenaire, il ne va pas risquer sa vie pour protéger ce pays. Ah, il s'est cassé, ok. Tendre. Ok. Tac. 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 Je peux toujours pas bombarder. Ok. Let's go. Let's go. Let's go. Je peux faire une petite rune du vent, non? Et là, on fait masse de dégâts. Parfait. Ok. Là, on fait peut-être une deuxième lance de feu. Ok. Et... bombarder cela là-bas et là on peut faire ça, on peut faire attaque, hop, 0, c'est abusé hein. Là par contre on peut faire une magie de vent sur eux, ok, c'est bon, là on se met bien ici. Attendre. Faire ça. Elles nous ont des gommes. Non putain, mais pourquoi j'attaque eux? J'ai cliqué trop vite. J'ai cliqué trop vite. Par contre, on peut faire une magie du vent encore. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. On va attaquer eux. Voilà. Ok. Là, on peut attaquer eux.
Là, on peut faire ça. Faire ça. Ça. Et je crois que j'ai encore un bombardement. Hein. Je peux pas utiliser. Où je rentre dans la ville. Déjà archer. Ah oui, putain. Ouf, ouf, ouf. Ok. Max, tu vas reculer. Tu vas faire rune. Auto-réparation. Parfait. Ensuite, Ozer, il va avancer ici. Il va faire rune auto. Non! Non! Putain, mais... Ok. Bombarder. Nickel. Et des archers nantiques. Combat d'archers nul là. Et toutes mes flèches sont ratées. Nous avons gagné, nous avons gagné. Ouais, nickel. Eh bien, la trad était nulle, mais c'est bien ça. Il fallait juste que je mette mon unité. Ok. C'est le dernier combat. Alors, qui on met? Jamais on met Vicky. On met Pesmeraga, ouais, j'avoue. Hop. Faut qu'on l'ait. Ensuite, on peut mettre qui? Regarde qui c'est qu'on peut mettre. Est-ce qu'on met Oulan? On me peut mettre Oulan en mage. Il est où, Luc? Ah, il est pas, Luc? Tu vas le prendre pour le combat final? Ah si. Prendre Luc. Tant que mage. Ensuite, on prend qui? En vrai, on va aller chercher le héros du 1. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Donc, il nous manque qu'une place. Devant, on aura Pesmega, Ulan et moi, et Siegfried du coup. Derrière, on aura Luc, le perso du 1, Dogfright. Et du coup, il nous faut encore, encore quelqu'un derrière. En vrai, Fletch, il peut avoir deux. J'ai de voir qui c'est qu'on a en mage là. Ah, mais on peut mettre Kane en vrai. Vas-y, on met Kane derrière.
Et on va laisser juste une place pour... On va juste laisser une place pour... On va aller chercher le héros. On va save. Hop, voilà. On va se TP, objet... Alors que attends, ok. On va se TP à... Voilà. Donc Vicky, je la prends plus depuis qu'elle explose ses sorts sur ma gueule, là, qu'elle en a fait... nous balance ses sorts dans sa propre gueule. Lenru, je pourrais me télécharger. Alors du coup, il faut que j'aille là. Il faut que je traverse la forêt, du coup, pour aller recruter. Ça, c'est chiant, ça. Hop, c'est parti. Ici, on va se mettre en... On va augmenter encore la vitesse, parce que... Hop. Ils sont plus faibles, on s'en bat les couilles. Je sais pas si c'est bien par là. Par contre, j'ai l'impression qu'on émulateur, il déconne, non? Et ça fait plein de... Merde. Ouais, ça fait plein de... Sur l'écran. Plein de bizarres. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Je sais pas pourquoi ça le fait, là. En fait, ça le fait quand j'accélère à fond, donc... Ça se voit moins quand je suis en x1, donc c'est pas grave. C'est juste pendant que j'accélère, là, ça devrait le faire. Il y a les couleurs qui déconnent. Ouais. Il y a le pixel qui déconne. C'est par là. Let's go. Hop là, dégagé de mon chemin. C'est par là. On se casse. Voilà, on va parler à lui. On va reprendre. Hop. Ça c'est chiant qu'en vrai t'es obligé d'aller lui reparler pour le remettre dans ton équipe. Ok, c'est bon. Et là on est pas mal. Là on est pas mal. Nickel. Là on a une bonne team là en vrai. Oh, qu'ils sont fous l'armure et tout. On est pas mal au niveau des armures. Je verrai ça une fois que je serai revenu. Non, c'est pas là. Une fois que je serai revenu et que j'aurai remis le x1, on verra pour l'équipement. Parce que là... Hop là, parce que c'est chiant. En vrai, c'est trop chiant. En vrai, dans le 2, ils ont amélioré des trucs qui étaient chiants du 1, mais il y a quand même quelques trucs qui sont chiants, quoi. Genre, dans le 1, l'équipement était... C'était l'enfer pour gérer l'équipement des persos. Là, dans le 2, ils l'ont amélioré. Et le fait que là, pour recruter, pour avoir le perso du 1, t'es obligé de toujours aller le chercher à chaque fois. Mais on est obligé de l'avoir quand même. On est obligé d'avoir les héros des deux jeux pour faire le boss final, quoi. Et on a importé notre sauvegarde, il faut qu'on en profite. Hein. Go. Let's go. À chaque fois, j'oublie de prendre un talisman d'évasion. Chaque fois que je fais ce truc là. Je pense jamais. Voilà. Voilà. Alors ça c'est chiant parce qu'il faut qu'on prenne le bateau. Voilà. Faut qu'on remonte là-haut pour pouvoir stepper. Parce que là ça marche pas, on est d'accord. Ça marche pas sur le bateau. Ah si. J'ai rien dit. Et là du coup on stepper à la grenouille. Et voilà. Parfait. On se remet en petit x1 là. Ok, on fait... On va juste regarder les objets. Un chapeau d'argent. Ok, c'est de la merde. Casque complet. Personne ne peut s'en équiper. Armure de cuir, c'est de la merde. C'est de l'armure de cuir. Pourquoi j'ai ça, moi? C'est pas grave. Robe magique, je pense que de toute façon, ça fait moins. Personne ne peut s'en équiper. L'armure du chevalier. Personne ne peut s'en équiper. Ah. Et quoi, c'est la ceinture force? Oh, mais c'est parce que oui, il y a un Jizo et lui il a Obanto, donc non. Bague de garde. Le Jinzo, je préfère le laisser. Et l'Obanto, je préfère qu'il ait un truc de soin aussi. Parce qu'il a déjà la mulette tonnerre et tout. Ok, on a de la mayonnaise hein, quand même chez nous. On va se battre avec de la mayonnaise dans le pot. Non, c'est pas grave. Let's go. Attendez, je re-sauvegarde, je refais une save state. C'est parti, hein. On peut remettre la musique du jeu.
pense bien. Nous avons perdu notre armée, mais nous... Vous ne pouvez pas passer. Tous les guerriers qui sont morts pour le carrière et pour le roi. Putain, mais elle est encore là, elle. Mais elle est encore là. Elle est encore là. Bon. Qu'est-ce que j'ai comme rune? Mais c'est vrai que j'ai la... Putain, mais ouais, c'est mon... Il y a un petit bug de mon... Mon émulateur. Alors que ça me l'avait jamais fait jusque là. Attendez, j'essaie de voir un truc. Si je fais ça, ça... Non, ça le fait toujours. Bon, mais tant pis. Hein. Je vais pas régler ça tout de suite. Soigne 3 sorts, oui, en accord. Ah, mais j'ai toujours pas le sort... Bon, en vrai, elle doit pas être très forte, non? Faire ça. Faire ça. Faut j'utilise surtout pas que j'utilise Cri. Ça fait quoi contre-attaque? Et c'est sur un allié, non? Ouais, c'est ça. Donc en vrai, je peux utiliser un éclair pour sur elle. Et elle... Et lui, on lui avait mis quoi? Ah oui, on lui avait mis Fureur et Doigt de la 1. Faut surtout pas... Ça, faut qu'on les garde pour les boss. Ombre noire et jugement. On peut utiliser Enfer et Doigt de la Mort, mais non, ça, c'est pour les... ça sert à rien. Par contre, on peut utiliser un mur de feu, tout simplement. Ouais. On va garder nos sorts les plus forts pour... Ah mais attends, mais ça a changé? Ah non, c'est un renard. Je l'avais jamais fait, cette attaque, je crois. C'est un renard, hein. Il a 9 queues, c'est le QB, c'est le renard à 9 queues. J'ai pas compté. Et... Esquive. Ouh, elle fait mal quand même, hein. 202 de dégâts, là. Hop. Super, elle attaque 1000 fois en plus. Ok. Ah oui, c'est vrai que elle a la rune qui prend 0 dégâts sur les attaques de rune de feu là. J'ai bien fait de lui laisser et de l'oublier à chaque fois de lui enlever. Tous les ennemis utilisent des sorts de feu. Ouh, par contre. Oh, oh les dégâts qu'il fait. Oh l'enfer, il a mis trop cher. En vrai, je peux tanker des coups là. Je peux tanker de ouf encore. Ça, j'avais pas vu qu'elle avait... Oulan est à 636 PV quoi. What the fuck. Attends, ça s'appelle les portes ouvertes. Ah, c'est la journée porte ouverte, regardez. En vrai, on peut faire sur Siegfried. On refait un petit mur de feu. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est bien ça, il a 9 queues. C'est le clona à 9 queues. Le démon renard, là. Esquive. Elle fait mal, quand même. 166 de deg. Ça augmente l'attaque. Je crois que ça a augmenté les chances de coup critique, pardon. Aïe, je vais peut-être me heal. Hein. Ouais, faut que je me heal à fond. T'as les dégâts qu'il fait par contre. Faut que je me soigne. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire... On va faire ça. On va continuer avec sa strat, mais on va se full heal. J'aimerais bien mettre Führer à Pressmeyer en faisant ça, là. Ça serait bien. Pressmeyer, je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas.
plus commencer là. Je sais plus où sont les S. Au chevalier noir là. Oh oui, je lui ai mis fou furieux. Nickel. Réinvoque le... Ta Kulan là. Elle a fait, d'accord, elle fait deux attaques physiques et une attaque de flamme. J'avais oublié son... Je crois qu'elle faisait la même chose la dernière fois, mais... Ça me fait rire. Ah non, ah, d'accord. Un peu plus chiant là. Je vous le cache pas. Par contre, les dégâts là. Elle est empoisonnée en plus. On va peut-être se soigner. On va se redonner un peu de soins. Et là... On fasse quand même gaffe. En plus le sort de base maintenant il nous donne 211 points de vie donc c'est pas dégueu hein. Ouais y'a tu... Je sais pas combien elle a points de vie. Je vais pas utiliser mes sorts les plus forts là parce que je sais pas... Pas si on peut se soigner avant le boss et tout, c'est compliqué hein. Ce bruit là, son design, chaque rame de feu. Aïe. Et bon, en vrai, ça commence à être chaud. On va taper un tant pis. On va taper. Attendez. Je coupe mon micro 30 secondes. J'ai un coup de téléphone. Voilà, excusez-moi. Du coup, on a gagné. Pourquoi ne pouvons pas gagner? Pourquoi y a-t-il pas de justice? La justice, c'est moi. Ça fait bien longtemps, Lucia. Vous, la petite princesse de Green Hill. Et que faites-vous ici? Vous êtes venue vous moquer de moi? Oui. T'imagines?
Hashtag harcèlement là. J'ai pas oublié ma promesse que vous m'avez dit que mon père avait fait tuer votre père. Je vais vérifier et vous. Vous voulez toujours m'omir bien que j'ai honoré ma promesse. Tant que maître de Greenhill, c'est mon devoir de rechercher la vérité et la justice. Même si cela doit tenir, ternir le nom de mon père. Après tout, ne recherchez-vous pas aussi la vérité? Vous! Ça va, Ashin. Pourquoi n'essayez-vous pas de courir? Parce que je vous connais. Vous ne frapperez pas un adversaire non armé. Teresa, avez-vous tellement confiance dans les gens? J'ai confiance en vous, c'est tout. Bon. Vous pouvez aller, Sifrad. C'est votre combat. Je vais regarder comment les choses se passent. Vous pouvez pas me soigner, par contre? Viens mettre là. Oh, mais allez vous faire. Bon, vous savez quoi, hein. Hop. Retourne en enfer là. Let's go. Pas que ça à faire, moi. J'aime un peu ces gribouillis là, c'est cool là. C'est fermé à clé. Mais comment je fais? Mais. Attendez, je vais redémarrer l'éliminateur parce que ça me gêne ce truc. On save. Attendez, je redémarre parce que c'est. Ça me gêne. Et ces couleurs là qui se barrent.